personal life as well as ministry. I know all the possibilities of my fellowship relationship with God, they are not exhausted. I still want more, just like you do tonight. You want more. More of God in your life. More of strength in your life. More of power in your life. More of His grace in your life in Jesus' name. He has answered many of your prayers. But now you have more prayers to be answered. He has given you a lot of good things, but now you want greater things and better things. And you have the same mind and the same passion and the same drive as Paul the Apostle. And you are saying with this verse 10, that I may know him. You are going to be very personal in this retreat. You're not going to look at this or look at that. And you're not going to allow anyone to hinder you or slow you down. You will know him more. You will touch him more. You will receive more from him during this retreat in Jesus' name. And your passion, your prayer, your desire, and your ideal will be all the time that I may know him. And the power of his resurrection, that power of resurrection will walk in your spirit, will walk in your soul, will walk in your body, and the power of resurrection will revive everything that is dead in your life in Jesus' name. Any good thing you had in the past, but because of the passage of time, you became weary, or you became stale. It's like, you know, things are not moving anymore. There's no revival. Everything looks dead. Everything looks natural. But now, in this retreat, the power of resurrection will walk in your life. Revival time has come for you. Restoration time has come for you. And the time for you to have more than double of everything you had before, that time has come for you in Jesus' name. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering. He suffered for something. He suffered to give you all the blessings of heaven. And as your fellowship with him in his suffering, all those blessings of Calvary will become yours. Being made conformable unto his death. You'll be conformed unto him in Jesus' name. Tonight we're beginning this retreat with the message, the wonder of his resurrection power. Any wonder you can think about. Nous commençons ce soir par la merveille de sa puissance de résurrection. Miracle spirituel, miracle physique, miracle domestique, tout ce dont vous avez besoin, la merveille de sa puissance de résurrection. Merveille dans ta vie, merveille dans ta famille, merveille dans ton âme. Et tout ce qui te faisait reculer à cette retraite, tout sera annulé au nom de Jésus. La merveille de sa puissance de résurrection. Trois choses à considérer. Premièrement, la puissance salvatrice de sa résurrection. Parce qu'il est ressuscité des morts. La pierre a été roulée. Parce que l'ange est venu du ciel et a déclaré, il n'est pas ici. Il est ressuscité. Cette résurrection dans la puissance salvatrice à tous ceux qui invoquent le Seigneur. Premièrement, la puissance salvatrice de sa résurrection. Deuxième point, la puissance de fortification de sa résurrection. La faiblesse va disparaître. La force viendra dans ta vie. Et tu seras plus fort
que ce que tu étais dans ta vie, au nom de Jésus, le Seigneur va te fortifier. Est-ce qu'il y a un fardeau que tu vas porter? Tu n'as pas la force pour porter ce fardeau. La plus grande force va venir. Une grande puissance va venir. Tu auras la force. Ce voyage dans ta vie sera le progrès en avant. La force pour aller dans le voyage, Dieu te l'accordera. Le découragement disparaîtra. La faiblesse va disparaître. L'épuisement va disparaître. Si tu as été vaincu par le passé, tu vas te lever et tu seras un vainqueur au nom de Jésus. La puissance de fortification de sa résurrection. Troisième point. La puissance surnaturelle de sa résurrection. Quand tu viens à la fin du naturel et les gens disent, oh, il n'y a rien qu'on puisse faire pour toi. La puissance surnaturelle de Dieu prendra le contrôle. Et ce soir, ça prendra le contrôle. Ne cède pas. Cette situation sera révoquée. Ne cède pas. Cette situation va cesser. Ne cède pas. Toutes ces choses, s'il n'y a plus de solution naturelle, la puissance surnaturelle de sa résurrection va tout balayer de ta vie ce soir au nom de Jésus. Premièrement, la puissance salvatrice. Deuxièmement, la puissance de fortification. Troisièmement, la puissance surnaturelle de sa résurrection. Premier point maintenant donc, la puissance salvatrice de sa résurrection. En Jean, au chapitre 11. Jean, chapitre 11. Voici le témoignage de Christ lui-même. Et voici la déclaration qu'il a faite lorsque tout semblait ténébreux, sombre, et il semblait dans la famille de ceux, où il était allé, tout espoir était perdu. Ils avaient vu que la fin était venue. Mais quand Christ vient dans ta vie, ce n'est que le commencement. Et voici le commencement de grandes choses au nom de Jésus. En Jean au chapitre 11, 25. Jean 11, 25. Jésus lui dit, comme il te dit aujourd'hui, il me le dit aujourd'hui. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, il vivra. Dieu parlait à Marthe au sujet de la mort de Lazare. Et il lui disait, comme tu crois en moi, même s'il est mort, il reprendra vie. Mais il ne le disait pas seulement pour Lazare, il le dit pour toi. Même si tu étais mort, tu reprendras vie dans son salut au nom de Jésus. Voyons la main dans les Écritures, interprète cette mort, comme il nous dit en Éphésiens au chapitre 2. Lisons à partir du verset 1er. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Chacun, quiconque n'a pas encore rencontré Christ le Sauveur, quiconque n'a pas encore reçu la vie éternelle de Christ le Sauveur, sa mort, il est mort dans les péchés et dans les transgressions. Et le Seigneur dit ici, il ramène ceux qui sont morts à la vie. Le péché tue. Les transgressions tuent, mais quand vous venez à Christ avec un esprit mort, avec une âme morte et une vie morte, le salut viendra, la vie éternelle viendra et vous serez ramenés à la vie au nom de Jésus. Verset 2, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Il parle de notre vie passée de mort, notre vie passée n'ayant pas la vie éternelle en nous. Et il dit, par le passé, avant de rencontrer Christ, la résurrection et la vie,
voici ce que nous étions. Nous marchions selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Il parle la puissance de Satan. Satan tue. Satan rend les vies mortes. Et si tu étais obéissant, Satan, obéissant aux puissances de l'air, obéissant aux esprits qui contrôlent le monde, ça emporte la mort spirituelle, la mort domestique, la vie morte, la mort morale, tout autour de toi est mort. Parce que tu as cédé à l'esprit de l'air. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion sont ceux-là qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Et aidés, quand cet esprit est à l'œuvre, là où cet esprit est à l'œuvre, il apporte la mort. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Il dit, nous tous sans exception, nous tous qui sommes descendants d'Adam, chacun, quiconque est né d'un homme et d'une femme, nous étions tous comme ça. Ça veut dire que nous étions tous morts spirituellement. Et il dit, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais maintenant, il dit, nous pouvons venir à Christ. Et comme tu viens à Christ, la vie éternelle viendra. Le salut viendra. Cette mort va disparaître. Voyons le verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il retourne encore à cette chose initiale. Il veut que tu comprennes. Tu peux être en train de marcher physiquement. Tu as la vie physique, mais tu n'as pas la vie spirituelle. Tu n'as pas la vie éternelle. Nous étions morts, mais maintenant, nous sommes sauvés. Il dit, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Et comme nous croyons à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et nous disons, Seigneur, je me présente à toi, j'accepte, sans toi, je serai mort, sans ta grâce, je serai mort, et sans ton salut, j'allais mener une vie morte, j'étais mort au commandement, mort dans la conscience, et mort dans mon cœur. Maintenant je viens à toi, aidé par la grâce, nous sommes sauvés. Et il nous a ressuscité ensemble avec Christ. Il nous ressuscite. La puissance de résurrection vient dans ta vie. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, dans les âges à venir, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, pour tout le monde. La grâce de Dieu est disponible et aidée. C'est par la foi. Quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous vous détournez de votre passé, vous vous détournez des ténèbres, vous vous détournez de votre faiblesse, vous vous détournez de vos mauvaises habitudes et vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. On dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le don de Dieu, la vie éternelle, don de Dieu, le salut, don de Dieu, la vie de résurrection, don de Dieu. Et c'est pour quiconque va demander et recevoir, tu l'auras aujourd'hui. J'ai dit tu l'auras aujourd'hui. Et nous dit en Luc chapitre 24, comment avoir cette puissance salvatrice qui vient dans nos vies et transforme toutes choses. Et nous sommes totalement transformés et nous sommes totalement changés. Et sa puissance de résurrection agit sans entrave dans nos vies. Comment cela se produit? Voyons Luc au chapitre 24,
Lisons à partir du verset 46. Luc 24, 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Il est déjà ressuscité. Et maintenant, comme il est ressuscité, il est venu parler à ses disciples. Il est écrit, avant même d'avoir la vie, avant d'avoir le salut, avant d'avoir la grâce de Dieu coulant dans votre vie, avant que votre nom ne soit écrit dans le livre de vie, Christ doit mourir pour vous. Non seulement mourir, il doit ressusciter encore. Dans le verset 47, ayant donc entendu parler de la mort de Christ, ayant connu l'ensevelissement de Christ, ayant connu la résurrection de Christ, et que la repentance, le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il va prêcher, vous allez écouter, vous allez recevoir son message de repentance. Vous comprenez? Le péché tue. Le péché tue tout ce qui doit être vivant dans votre vie. Maintenant, vous vous détournez de ce péché mortel et vous venez à Christ, la résurrection et la vie. Alors, la vie venant de lui apportera la vie éternelle en vous. Et ça va se produire au nom de Jésus. Romains 10, après cette repentance, après cette détournée de tous les péchés et des mauvaises habitudes qui tuaient notre conscience, qui tuaient notre vie, qui tuaient notre vie spirituelle, maintenant nous revenons à lui par la foi. Mais nous devons croire en sa puissance de résurrection. Voyons Romains chapitre 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, vous voyez cela? Si tu confesses de ta bouche que tu ne peux pas avoir la vie excepté par Christ, tu ne peux pas avoir le salut excepté de la part du Seigneur Jésus, tes efforts ne peuvent pas marcher, tes luttes ne peuvent pas marcher, ton sacrifice personnel ne peut pas le faire, ta religion traditionnelle ne peut pas le faire. Le salut n'est trouvé qu'en Christ. Il dit, si tu confesses de ta bouche et que Dieu entend cette confession, et si tous ceux qui sont autour de toi entendent cette confession, que ta conscience s'identifie à cette confession, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il dit que le salut du péché, le salut de la domination du péché, le salut de la puissance du péché, le salut de la tyrannie du péché, ce salut vient comme tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus est mort pour toi et qu'il est ressuscité encore. Et dans cette résurrection, il a apporté ton salut, ta justification. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. On ne croit pas pour la vie pécheresse. On croit pour la justice. On ne croit pas pour avoir les ténèbres. On croit pour la justice. On ne croit pas pour continuer à faire le mal. On croit pour la justice. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche
qu'on parvient au salut. Tu confesses ce que tu crois. Ensuite, le vrai salut viendra. Et il est capable de sauver tout le monde ce soir. J'ai dit, il est capable de sauver tout le monde ce soir. Si tu n'es pas encore sauvé, il va sauver ton âme. Si tu n'es pas victorieux sur le péché, ce soir, la puissance de résurrection viendra à toi. Et tu seras victorieux sur le péché au nom de Jésus. Si les mauvaises habitudes détruisaient ta vie, ce soir, comme tu amènes Christ, qui dit « Je suis la résurrection, la vie », et tu l'amènes dans ta vie, toutes ces mauvaises habitudes, il va les détruire, il va les anéantir. La nouvelle vie viendra pour toi au nom de Jésus. Est-ce qu'il peut le faire? Voyons Hébreux au chapitre 7, verset 25. Hébreux 7, verset 25, il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Peu importe la distance que tu as parcouru dans le péché, la grâce de Dieu va te rechercher, te toucher ce soir au nom de Jésus. Peu importe l'impossibilité que tu perçois pour ton salut, parce que tu es allé très loin et parce que ta conscience, ton cœur t'a dit que vraiment cela semble impossible. Cette chose apparemment impossible sera accomplie par Christ, par sa puissance de résurrection. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Mais tu dois venir. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est-à-dire que tu viens à travers Jésus-Christ. Et comme tu t'approches par lui, il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 4. 1 Jean, chapitre 3, lisons à partir du verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Si tu te demandes, c'est quoi le péché? Le péché, c'est transgresser la loi de Dieu. Ça veut dire quoi? Le Seigneur trace un cercle par terre. Et il dit, reste dans le cercle. Si tu sors du cercle et tu traverses la ligne, tu as transgressé. C'est ce qu'il dit. Sa parole trace le cercle dans lequel nous devons vivre. Sa parole donne le territoire de la vie que nous devons mener. Et cela couvre tous les domaines de la vie. La vie morale, notre vie spirituelle, notre vie interpersonnelle avec les autres. Le Seigneur trace la ligne. Il dit, reste dans ce cercle. Alors tu seras juste. Mais à cause de la nature d'Adam, Adam déchu en l'homme, tout homme va au-delà du cercle qu'il a tracé. Et chaque fois que tu traverses ce cercle, c'est la transgression. C'est sur le péché. Alors il dit donc, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Ce péché a plusieurs noms. Il dit, tu ne voleras pas. Si tu ne voles pas, tu es dans le cercle. Et si tu traverses et tu voles, c'est le péché, tu transgresses.
Quand il dit tu ne commettras pas l'adultère, il trace un cercle. Et aussi longtemps que tu restes dans le cercle, tu mènes une vie de justice. Mais quand tu traverses la ligne et tu commets l'adultère, tu transgresses. Et le péché est la transgression et ça conduit à la mort. Et tu ne peux pas te sauver une fois que tu es hors du cercle. Tu ne peux plus te ramener dans le cercle. Seul Christ peut le faire. C'est pourquoi il dit dans le verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Il a paru, il est venu dans ce monde afin d'ôter nos péchés au pluriel. Petit péché, grand péché ainsi appelé, les péchés mortels comme on les appelle, les péchés secrets comme on les appelle, les péchés publics comme on les appelle, les péchés communs comme on les appelle, les péchés occasionnels comme on les appelle, toute forme de péché. Christ a paru pour ôter les péchés de ta vie et pour t'ôter du péché. Il a paru pour ôter nos péchés et il n'y a point en lui de péché. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Car il pardonne nos péchés, il nous ramène dans ce cercle. Et dans ce cercle, quand nous demeurons en lui, nous comptons sur sa grâce, jouissant de son salut, nous n'allons pas pécher, nous n'allons pas sortir de ce cercle pour traverser la ligne. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque pêche. Comment ça se passe encore? Parce qu'il y a la tentation qui vient du dehors, hors du cercle. Il y a un aimant hors du cercle. Et cet aimant de tentation attire les gens. Si tu restes dans la grâce de Dieu, dans la force du Seigneur, tu ne vas pas céder à la tentation. Mais quand tu cèdes, cela veut dire que tu as commis le péché. Et tu ne demeures plus en lui. Petits enfants, verset 7. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8. Celui qui pêche est du diable. Vous voyez cela? Il vient et il sort hors du cercle. Écrit, Seigneur, j'ai péché. Alors, le lendemain, il sort du cercle encore. Seigneur, je suis désolé, j'ai encore péché. Et il continue à sortir du cercle. Il commet, il pratique, il transgresse. Celui qui commet le péché, qui pêche, est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. C'est pour cela, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. L'heure a sonné. Il va détruire toutes les œuvres du diable. Toutes les transgressions, il va les ôter. Et il te donnera une nouvelle puissance salvatrice. Et cette puissance salvatrice va te garder debout et te gardera victorieux. Et tu ne vas plus sortir du cercle de la justice au nom de Jésus. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Certains disent, comment savoir si je suis né de nouveau ou pas? Est-ce que ce n'est pas le sentiment? Est-ce que c'est par une lumière? Est-ce que ce n'est pas une voix audible? Le Seigneur nous dit maintenant que quiconque reçoit Jésus-Christ dans sa vie, si Jésus est vraiment là, il est là dans sa puissance de résurrection. Et parce qu'il est là dans sa puissance de résurrection, il te donne la puissance de vivre au-dessus du péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui.
et il ne peut pécher. Il ne peut pas pécher. Il ne peut pas pécher. Il ne donnera pas des excuses pour le péché quand il est réellement né de nouveau. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Cette puissance de résurrection agira et apportera le salut dans chaque vie. Peu importe la distance que tu as déjà parcourue, le Seigneur Jésus te ramènera dans ce cercle de la justice et la grâce de Dieu va te préserver et te garder demeurant au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, la puissance de fortification de sa résurrection. La puissance de fortification de sa résurrection. Quand il nous sauve, il nous donnera aussi la puissance de fortification. La puissance salvatrice, le salut est venu. Christ est ton sauveur. Et Christ vit au-dedans de toi. Et maintenant, pourquoi tu demeures dans ce salut? Pourquoi tu demeures dans toutes les promesses de Dieu? Il te donne la puissance de fortification. 1 Pierre, au chapitre 1, verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il nous donne l'espérance et nous donne la vitalité dans nos vies. Et il nous amène à voir un grand avenir dans ce salut. Et il dit, le Père, Dieu qui est au ciel, le fait. Et il nous donne espérance vivante. Parce que nous avons été régénérés et c'est par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage, verset 4, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Lequel vous est réservé dans les cieux. Dès que vous naissez de nouveau, votre nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton cœur que tu es sauvé, que tu es né de nouveau, que ton nom est au ciel et tu auras un héritage au ciel. Voyons la force de fortification, la puissance de fortification, verset 5. À vous qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la puissance de Dieu. Vous voyez, ceux qui pensent qu'ils sont sauvés et qu'il n'y a pas de puissance de fortification, qu'ils ne peuvent pas tenir, ils ne peuvent pas résister à la persécution. Au moment de la tentation, ils tombent tout le temps. Il n'a pas de vrai salut là-bas. Le salut du Nouveau Testament. Le salut du Nouveau Testament nous donne la force qui nous fortifie contre Satan, contre toutes les tentations de la société. Nous qui sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Je prie que cette puissance, la puissance de fortification dans tous les défis de notre vie, agisse puissamment dans ta vie. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens 12, verset 12. Et il me dit, Dieu ne fait acception de personne. Comme il a dit à Paul, il a dit à Pierre.
comme il a dit à Pierre, le dit à Jean, comme il avait dit aux croyants de ces temps, il parle aux croyants de ces jours. Et il me dit, ma grâce te suffit. Tu ne peux pas dire, ah, mes tentations sont nombreuses. Ma grâce te suffit. Tu ne peux pas dire, ah, mes mauvaises habitudes du passé, oh, sont si fortes. Et on ne peut les briser. C'est pourquoi je ne peux pas tenir. Il dit, ma grâce te suffit. Tu ne peux pas dire que ma communauté est si ténébreuse et nombreuse. Oh, je vois tellement de péchés, je vois tellement de mal. Et pour cela, je ne peux pas tenir. Il dit non. Ma grâce te suffit. Tu ne peux pas dire, il y a un compagnon, il y a un partenaire, il y a une femme, il y a un mari qui n'est pas né de nouveau. Moi, je suis né de nouveau. Mais sa vie a une influence négative terrible sur moi. C'est pourquoi je n'arrive pas à tenir. Non, il dit, car ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il va vaincre ta faiblesse. Il va dominer ta faiblesse. Tu seras fort. Et la grâce qui t'a amené dans le royaume, cette grâce va demeurer dans ta vie. Et cette grâce va te rendre victorieux sur le mal au nom de Jésus. Là où tu travailles au bureau, si tu es le seul croyant là-bas, et ils font, les incroyants, font des choses qui ne sont pas correctes, tu vas tenir. Tu ne vas pas compromettre. Tu ne vas pas te joindre à eux pour pratiquer, faire le mal. Ils peuvent être nombreux et forts. Et s'ils sont puissants, et dis, ma grâce te suffit. Tu mèneras une vie victorieuse au nom de Jésus. C'est ce que la puissance de résurrection fait. C'est ce que la puissance de fortification fait. Et te rendra différent, te rendra distinct. Et quels que soient les défis autour de toi, la victoire est venue pour toi au nom de Jésus. Et si tu es persécuté pour la justice, si tu es juste et tu t'efforces de garder dans ce cercle, et pour cela, ceux qui sont injustes autour de toi, ils te persécutent. Et la persécution est trop. Est-ce que tu vas tomber à cause de ça? Non, tu ne tomberas pas. J'ai dit, je ne tomberai pas. Voyez ce qu'il dit. Dans ce verset 9, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dès que tu dis non à cette tentation, une grande puissance viendra. Dès que tu diras non aux ténèbres qui te tirent vers le monde, la puissance viendra sur toi. Verset 10. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. Je me plais dans les calamités pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je serai fort. Quand je suis faible en moi, quand je suis faible dans mon énergie naturelle, alors la grâce de Dieu venant de la puissance de résurrection de Christ va couler dans ta vie et tu seras fort. Est-ce que je parle à quelqu'un fort là-bas? Tu seras fort au nom de Jésus. Et aujourd'hui, tu seras plus fort que ce que tu étais hier. Demain, tu seras plus fort que ce que ta force d'aujourd'hui. Et plus tes jours passent, ainsi sera ta force.
plus les défis viennent, plus ta foi sera forte. Plus les difficultés augmentent et plus les tentations s'augmentent, ainsi la puissance de fortification va s'augmenter dans ta vie au nom de Jésus. Éphésiens au chapitre 6, verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Est-ce que tu peux être faible dans le Seigneur? Vaincu dans le Seigneur? Dominé dans le Seigneur? Quand tu te sens faible, c'est comme si tu ne demeures pas dans le Seigneur. Parce que quand tu demeures dans le Seigneur, quand tu tiens fort dans le Seigneur, pas en toi-même, tu es fort. Fort contre toutes les épreuves, les difficultés. Fort contre le monde. Et fort contre la chair. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. On ne se décourage pas dans le Seigneur. Si tu demeures dans le Seigneur, tu ne peux pas dire, oh, la pression est trop. Le fardeau est trop. Les dangers sont nombreux. Les défis sont trop grands. Je suis dans le Seigneur, mais je suis faible. Pas du tout. Quand tu demeures dans le Seigneur, tu es fort. Et je prie aujourd'hui que tu sois plus fort. Il dit, au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Et par sa force toute puissante. Quand tu permets à cette puissance de résurrection de venir davantage dans ta vie, ça te rend fort. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tu vas tenir contre ces stratégies du diable, toutes les ruses du diable, toutes les tentations du diable, toutes les choses douces du diable qui t'attirent, tu diras non. Je dis non. Je dis non. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les forces, contre les esprits, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voyez-les, les autorités, les dominations, les princes, les autorités, les esprits méchants du monde, les puissances occultes ne vont pas te dominer. Les puissances maléfiques ne vont pas te dominer. Tout ce qui se cache derrière les portes du diable ne vont pas te vaincre. Même les esprits méchants dans les lieux célestes ne vont pas te vaincre. C'est pourquoi revêtez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez tenir dans le jour mauvais. Quels que soient les jours mauvais de la tentation, les jours de la calamité, les jours des flèches et des attaques, les jours des tentations terribles, Dieu merci, vous allez tenir dans les mauvais jours. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pourriez éteindre tout combien de traits enflammés. Quel type
très, très enflammé. La victoire est venue. À tout moment, victoire pour enfants de Dieu. Victoire sur le péché. J'ai dit victoire sur le péché. Tu auras un témoignage de justice. Un témoignage de la vie purifiée. De la vie victorieuse. Parce que tu vas éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits des puissants des ténèbres. Vous n'allez pas pleurer. Vous allez tenir. Et votre bouclier de la foi va briser et détruire tout au nom de Jésus. Aucune puissance du monde ne pourra vous détruire. Aucune puissance du monde ne pourra vous détruire. Et aucune puissance du monde ne pourra écouter votre vie. Un grand Amen. Vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous allez au village, vous allez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous êtes dans la rue, vous allez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous êtes dans le rêve, vous allez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ce qu'ils appellent maladie incurable dans votre vie, ça frappe seulement la porte pour voir si vous avez perdu votre force. Le cancer ne va pas vous tuer. Tout ce qui tue les Égyptiens ne va pas vous tuer. Vous allez éteindre. Je suis capable. Je suis capable. Je suis capable d'éteindre, dis le nom, d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Et la victoire est pour vous au nom de Jésus. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu dans votre bouche sera comme l'épée de l'esprit et va percer l'ennemi et découper l'ennemi et détruire toutes les puissances des ténèbres. Je te vois victorieux. J'ai dit, je te vois victorieux. Ésaïe 40, 28. Ne le sais-tu pas? Si tu ne le sais pas, tu le sauras aujourd'hui. Ne l'as-tu pas appris? Si tu n'avais pas appris, tu l'apprendras. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Ce soir, la force que tu n'as jamais possédée avant, tu vas la posséder. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il augmente la vigueur. Je vois le niveau de ta vigueur augmenter. Je vois le niveau de ta force augmenter. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Quand nous venons à une retraite comme celle-ci, le Seigneur veut exaucer toutes les prières. Mais si nous ne prions pas, il n'y a rien à exaucer. Si tu sèmes zéro, tu vas récolter zéro. Si tu sèmes 10,
tu vas moissonner sur la base de ces 10. Si tu sèmes 100, tu vas moissonner sur la base de ces 100. Si tu pries, tu vas moissonner sur la base de cette prière. Mais, s'il n'y a pas de prière, après avoir écouté la parole, immédiatement que nous disons, prions, et le pasteur prend le relais, ou le camp, commandant du camp prend le relais, ou bien le pasteur de la retraite là-bas prend le relais, toi tu t'en vas, et tu te précipites pour aller quelque part, alors il n'y a pas de force. Mais, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Toute chaîne qui te liait, qui te maintenait par le passé, toutes ces chaînes seront brisées. Toutes les cordes qui te liaient avant, et c'est au moment de la prière, toutes ces cordes seront brisées. Tout ce qui te maintenait, la force de gravité, tu veux te lever, chaque fois ça te retire par terre. Au moment de la prière, toutes ces forces de gravité seront ôtées de ta vie. Imagine l'avion qui prend l'envol plus haut, qui va au-delà de l'aigle. La force de la gravité n'a aucune force sur l'avion. Il y a un moteur dans cet avion. Et il y a un moteur de la puissance de résurrection qui viendra dans ta vie. Et tu vas prendre l'envol, prends l'envol, plus haut, et plus haut. Imagine cet avion en haut là-bas, et quelqu'un en bas ici, lance une pierre à l'avion. Est-ce que ça va atteindre l'avion? Comme tu vas plus haut à part d'aujourd'hui, toute pierre qui va essayer de lancer contre toi ne pourra jamais t'atteindre. Regarde cet avion. Quelqu'un essaie de tirer une flèche. Est-ce que la flèche peut monter? Mais l'avion est plus haut, très très loin, au-delà de cette flèche. À partir d'aujourd'hui, comme tu te confies au Seigneur, toute flèche qui est lancé contre toi du village, ou de la ville, ou même de tes ennemis, ou bien de ceux-là, ou des puissants des ténèbres, cette flèche ne pourra jamais t'atteindre. Tu vas traverser toutes les rivières, tu iras au-delà de toutes les montagnes, toutes les impossibilités de ta vie seront possibles. C'est pour ceux qui se confient en l'Éternel. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol. Comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Est-ce que tu te rappelles quand tu étais encore à l'école et on choisissait des élèves pour courir? Et c'était quelques mètres à parcourir. Et tu faisais partie de ces élèves. À vos marques, prêt, partez! Et tout le monde courait comme ça. Peut-être toi, avant que tu n'arrives au milieu, tu perdais le souffle, tu perdais ta force. Tu étais fatigué. Je ne vais pas mourir, je ne peux pas mourir. Je suis venu pour étudier, je ne suis pas venu pour courir. Qu'ils courent, ils ont eu le prix à la course. Toi, tu n'as jamais eu de trophée. Mais maintenant, aujourd'hui, l'histoire va changer. Tu vas courir. Tu feras la course. Tu ne seras pas fatigué. Tu vas marcher. Et tu ne seras pas fatigué. Premièrement, la puissance salvatrice, elle est disponible aujourd'hui. Deuxièmement, la puissance de fortification, elle est disponible ce soir. Troisième point maintenant, la puissance surnaturelle. La puissance surnaturelle.
Si vous regardez ce mot surnaturel, il y a le mot super, il y a le mot sur et naturel en français. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la force naturelle. Mais il y a une limite à la longueur, à la hauteur. Il y a une limite au progrès, à la puissance naturelle. Mais quand tu viens à la fin de ta force naturelle, sur le surnaturel prendra le relais. Dans ta vie, surnaturel prendra le relais. Dans ton cœur, le sur va prendre le relais. Dans tes combats contre le mal, le sur va prendre le dessus. Dans ta marche victorieuse, pour que rien ne t'arrête, le sur va prendre le dessus au nom de Jésus. Matthieu, chapitre 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Dites-moi ce qu'il a dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Il était mort, mis à mort pendant 3 jours, plutôt. Mais le matin de la résurrection, une grosse pierre était placée sur la tombe. Et les femmes venaient, disaient, « Oh, qui va rouler la pierre pour nous ?» La puissance naturelle ne pouvait pas le faire. Mais le sur est venu et la pierre a été roulée. Toute pierre qui est placée sur toi, qui te supprime, et tu vois là où tu peux aller, mais tu n'arrives pas. Aujourd'hui, là où ta force naturelle a échoué, surnaturelle, quelqu'un aide-moi à crier sur. La puissance surnaturelle viendra balayer la pierre au nom de Jésus. Les soldats étaient debout faisant les gardes. Il ne va pas sortir. Pierre ne pouvait pas s'approcher. Il n'avait pas l'autorité. Il n'avait pas la connexion. Il n'avait rien à faire, rien à dire aux soldats qui gardaient la tombe. Quittez là-bas. La force naturelle a échoué. Sur. J'ai dit surnaturel. La puissance surnaturelle a pris le relais et tous ces soldats sont tombés par terre comme s'ils étaient morts. Tous ceux qui gardaient ta vie. Et ils disent, tu ne peux pas aller au-delà de ce niveau. Tu ne peux pas aller au niveau de cette ligne. Tu ne peux pas aller au-delà de ce point. Et tu étais là-bas. Et la pierre est là. Les soldats étaient là. Et ta force naturelle, tu as pleuré. Tu as crié, tu as parlé aux gens, tu as cherché des conseils, mais la pierre est restée là, les soldats sont restés là, ce soir, j'ai dit ce soir, la puissance surnaturelle, cette puissance surnaturelle viendra, toutes ces personnalités maléfiques qui gardent ta vie, qui disent que tu ne peux pas sortir, la puissance surnaturelle va les balayer ce soir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Toutes les puissances en l'air. Toutes les puissances autour des mers qui essaient de te garder par terre. Et tu te disais, oh, je souhaiterais avoir tout pouvoir ce soir. La puissance surnaturelle ce soir. Va anéantir toute chose. Ce soir, je veux t'annoncer que tu es libéré pour aller plus haut que tu le souhaites. Je veux t'annoncer ce soir que tu es libre pour être aussi fort que tu le souhaites. Tu es libre pour être aussi victorieux que tu le souhaites.
La maladie te maintenait par terre. Ce soir, je t'annonce que tu es libre pour être en bonne santé, que tu le souhaites. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Allez donc dans cette puissance, allez dans cette force, allez. Tu iras et tu graviras toutes les montagnes. Tu iras et tu vas traverser toutes les mers. Tu iras et tu vas vaincre toutes les tentations. Dans la Bible, il y avait un Élie. Tu es libre pour être un Élie. Il y avait un Élisée. Tu es libre pour être un Élisée. Dans la Bible, il y avait Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont passés par le feu. Ils n'étaient pas brûlés. Ce soir, tu es libre pour être aussi fort, aussi protégé comme Shadrach, Meshach et Abednego. Dans la Bible, il y avait Daniel. Il allait dans la fosse aux lions. Il y avait plusieurs lions dans ce monde. Et ce soir, tu es libre. Va dans la fosse aux lions et tu sortiras. Rien ne va te nuire. Il y avait un port. Il était dans la prison avec Silas. Et dans la prison, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Toutes les chaînes étaient brisées. Ce soir, tu es libre pour être un autre port. Tu es libre pour être un Silas. La puissance est venue pour toi. La puissance est venue. La puissance pour le salut. La puissance pour la guérison. La puissance pour la délivrance. La puissance pour la sanctification. La puissance pour la protection. La puissance pour déplacer la montagne. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, va dans cette force. Lève-toi maintenant et reçois la force, la puissance, la puissance, la puissance surnaturelle, la puissance surnaturelle, la puissance surnaturelle, la puissance surnaturelle, la puissance surnaturelle. C'est pour toi ce soir. Tu es libre ce soir. Tu es libre pour être aussi fort que tu veux l'être. Tu es libre pour être aussi victorieux que tu le veux. Tu es libre pour être aussi puissant que tu le veux. Tu es libre pour être aussi protégé que tu le veux. Tu es libre pour être en bonne santé comme tu le veux. Libre. Les chaînes brisées. Les chaînes brisées. Toutes tes cordes brisées. Il y a la puissance salvatrice. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La puissance de fortification. Après être sauvé, il y a la puissance. Puissance de résurrection qui peut te maintenir, te garder victorieux. Ce soir, là où la force naturelle avait échoué, débranche-toi et branche-toi à la puissance surnaturelle. Il n'y a plus d'impossibilité dans ta vie à part de ce soir.